Déjà que j'aime la fête d'Halloween, alors si en plus Red Barrels décide de nous proposer une démo d'Outlast 2, c'est le meilleur Halloween de ma vie. Hey yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur Outlast 2. On y est les crocs, on y est. Après avoir tant attendu le jeu, Red Barrels décide de proposer donc aux joueurs une démo. Alors à la base, elle devait être disponible sur PS4. J'étais assez dégoûté car je n'ai plus la PS4. Et finalement, en fin de journée, ils l'ont mis sur Steam. Donc bravo, bravo. Donc écoutez, j'ai tellement hâte de cliquer sur ce play démo qu'on va le faire tout de suite. La démo est disponible qu'en anglais pour le moment. Il n'y a pas de français. Et c'est parti pour Outlast 2 les crocs. Putain de merde. Ok, alors, welcome to the Outlast 2 démo. You are Black Lagerman. Alors, tu es Black Lagerman, un caméraman, un journaliste qui travaille avec sa femme Lynn. D'accord. D'accord, donc en gros, c'est des espèces de journalistes qui vont dans des lieux où des histoires n'ont pas été résolues, des lieux assez reculés aux quatre coins du monde. Et donc, cette fois-ci, on se retrouve dans l'Arizona, le désert de l'Arizona, où une femme enceinte est morte, un meurtre de femme enceinte, et on décide d'y aller pour essayer de résoudre ce meurtre. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai tellement hâte qu'on y va tout de suite les crocs, c'est parti. Wouhouhou, yes. Ah. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from the nearest... Oh! The fuck? Did you see that? We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Jesus Christ! Oh, no, Julian, I've got you! Yes! Putain, c'est bon les crocs. C'est trop bon. Je vous jure, c'est trop bon. Ok, donc notre femme a disparu. On a fait un crash d'hélico. Hey! Wouh, 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 wouh! Aïe! Hey, il a les mêmes lunettes que moi. Non, mais dis donc! Je pourrais porter plainte pour plagiat, hein. Attention. Allez, remettez une lunette, tu vois tout flou là. Ouah, c'est mieux, yes. La petite caméra qu'on connaît bien sûr. Ça a fait un peu le charme de Outlast premier du nom, la caméra. Oh putain que c'est beau. Oh bordel. Oh bordel. Eh, ça y est, nous. Oh putain, alors. To raise your camera colder, please white button. D'accord. Lynn. Ah, oh, et ça reprend exactement les mêmes bases que Outlast 1. Oh putain, c'est magnifique les crocs. Oh mon dieu, cette ambiance. Alors, déjà, première chose, on peut s'apercevoir que l'ambiance n'est pas du tout la même que le 1. Regardez, ça n'a absolument rien à voir. Oh putain, oh putain. Qui est là? On va zoomer. Il y a eu un truc. J'ai entendu des bruits de pas, merde. Non, pas tout de suite. Attends un peu. Oh putain que c'est glauque. Merde. Oh. Ok, je pense qu'il faut mettre la night vision. On n'a pas le choix sinon on y voit que dalle. Alors ici. Oh, on dirait vraiment qu'il y a personne. On dirait qu'on est dans un espèce de village. Merde, j'ai plus beaucoup de batterie. Est-ce qu'on a... Ouais, on a des piles, tout va bien, on a remis une pile. Ah, ça me fait trop penser au 1. Oh ! Merde, je t'avais pas vu, toi. Oh, mon Dieu. Salut. Une pile, merci. Oh ! Ok, donc nous sommes dans un village, on dirait bien. Ah, putain. Ah ! Ok, on se tire. On se tire, on se tire, on se tire. Oh, il y a quelqu'un. Oh putain. Ok, 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 ok les fermiers. Ok les fermiers, on va se calmer. Jesus. Lynn. Non. On vient d'entendre notre femme les crocs. Oh putain.
Je suis pas vraiment rassuré. On va continuer tout lentement. Ouais. Je t'ai vu. Salopard. Ah, une pile là-bas. Il y a une pile ici. On va la prendre discrètement. C'est bon, tranquille. On a 2 piles sur 8 en haut à droite. Cool. Nickel. Ah, on peut ouvrir la fenêtre. Nickel, on va passer... Ah, un croc. Putain de croc. Merde, me fais pas des frères comme ça. Ah. Il y a une ambiance. C'est incroyable. C'est incroyable, les crocs, je vous jure. Je suis pas très bien là, je suis pas très à l'aise pour tout vous dire, mais bon. C'est pas grave. Bon alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre? Merde, j'ai déjà plus de piles, on va recharger. En fait, c'est vrai que le jeu est beau aussi quand il n'y a pas de caméra, c'est assez joli aussi. Hein. Heureusement que la Night Vision existe, hein. Putain. Hop. Please. Please, 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 on va courir. Je crois que c'est le moment de courir, bordel. Ouh. C'est bon, nous sommes safe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a eu une espèce de sacrifice, je pense. Regardez, je crois que le mec il s'est mis là. Il a dit Amenos de los Santos et puis le truc a explosé, enfin je sais pas. Il y a eu un rituel en tout cas. Il y a eu un putain de rituel. Ok, donc ici, nous sommes... What the fuck, qu'est-ce que c'est? Des bébés? C'est des putains de bébés, les crocs. C'est horrible. Je me casse. Ça craint ici, c'est trop glauque. Oh mon dieu. Un puits? Ah, pourquoi je sens que quelque chose va me choper dans ce puits? On va instigate le puits. Ah, c'est quoi? Oh, j'ai réussi à... J'ai réussi à m'en sortir, putain. Oh. Attendez, on est où, là? Attendez, on vient de passer d'un puits à une espèce de conduit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bref, depuis quand il y a des tentacules dans Outlast? ouais, je sais pas où aller, je vais aller à gauche. Mon instinct me dit d'aller à gauche. C'était peut-être pas une bonne idée. We're not alone, qu'est-ce que tu racontes, toi, saloperie? Ok, ça fait 5 minutes 35. Oh mec, non! Alors là, il y aura un arrêt sur image sûrement, je vais faire un truc au montage parce que je suis presque sûr à 100% d'avoir vu un truc au fond là. J'en suis sûr. Oh putain de merde. Une pile. Il y a une pile sur le bureau, on va la prendre les crosses vite. Nickel. Alors, où est-ce qu'on est? Ça ressemble à une salle de cours. Bon alors ça va, les croix ne sont pas à l'envers. Alors par contre, regardez ici, il fait totalement noir, du coup, on va utiliser la caméra et c'est parti. Oh mon dieu. Ok. Ok, bon, je crois qu'on est dans la merde, les croses. Il est 6h25. S'il vous plaît. Oh, il y a encore eu un truc. Je viens de le revoir. Il y a encore eu un... C'est un esprit. Oh non, merde. Ok, il n'y a rien. C'est quoi ça? On a chopé une boîte à musique. C'est tellement beau. C'est tellement poétique. Et ce qui va se passer très bientôt va être poétique aussi. Attention. Attention. Ah, mais putain, il y a un truc. Il y a un truc autour de moi, merde. Ah, C'est quoi? Il y a un putain de truc autour de moi. Il y a un putain de truc qui me rôde. Qui rôde autour. Ah putain, c'est horrible.
Souris, y'a un truc, les crocs, y'a un truc. Non, 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 non. Est-ce qu'il est parti? On va regarder. Jammed. Jammed. Jammed to the bad habit. Oh non, 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 t'avais pas le droit. Pas quand je chante Jammed, s'il te plaît. Ah merde. Ah, on se tire. On se tire d'ici. On se tire d'ici. Pourquoi il y a de la lumière là-dedans là? Alors, honnêtement, on dirait qu'Outlast 2 est beaucoup plus surnaturel. Regardez, il n'y a même plus rien. On est passé à travers un mur. Oh putain. Il y a des apparitions trop cheloues, je vous jure, j'aime pas ça. On va continuer. Jamen. Jamen. Oh, Lily. Je sais plus comment elle s'appelle, je vais l'appeler Lily. Quoi, Jessica maintenant, faut savoir, c'est Jessica ou Lily, bordel. Oh. Oh, 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 on a une pendue, les creuses. Nous avons une pendue. Alors, que fait-on quand on a une pendue devant nous? Il faut la déshabiller. C'est pas elle, mais dis pas que c'est elle, notre femme. Oh merde. Oh merde. Oh oh oh, putain, 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 putain. Allez, on va passer ici. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, salut mon gars. Non. Oh, oh, oh. I'll bleed you in the yard. Ah, faut que je me tire, faut que je me tire. Vite, 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 vite. Ok. Nous avons la... Ah, nous avons la caméra. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. C'est horrible ce qui se passe. Merde. Oh putain, je vais me faire crier, je vais me faire crier, je vais me faire crier, je vais me faire crier. Ah, on peut se mettre allongé, d'accord. On bouge plus, on bouge plus, on bouge plus. Oh putain, ils vont passer juste à côté de moi. J'ai plus de batterie, on recharge. Oh, ils sont juste là. Mais dégage, la feuille. C'est horrible. C'est horrible, je peux pas bouger. Je ne peux pas bouger, c'est impossible. Où est-ce que je dois aller? On a aucun objectif. Ah putain, on est paumé, les creuses. Nous sommes paumés, on va essayer d'aller un peu en arrière. On court. Alors. Alors, 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 alors. Où est-ce qu'on peut aller? J'y vois que dalle dans ces putains de blé là. Oh, c'est ici. Yes. Ah, c'est pas fini. Merde, 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 cours, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Allez, 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 allez. Oh putain, ils sont juste derrière. Yes, petite glissade, trop stylé. Ça doit faire mal. Ok, Crosby, écoutez, c'était absolument génial. Absolument génial. Franchement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je suis super content. J'ai encore plus hâte que le jeu sorte pour vous en proposer un let's play, bordel. Ça va être absolument énorme. J'ai adoré, Crosby. Je tiens à vous dire que cette démo est totalement gratuite sur Steam ou sur PlayStation 4. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. Ça vaut vraiment le coup. Ça dure 20 minutes.
mais ça vaut le coup. C'était excellent. Si la vidéo vous a plu, les crows, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour de prochains horror games. J'ai adoré. Putain, franchement, j'ai adoré. Sur ce, portez-vous bien les crows. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.